mi de kuku mama nuka yesu wono wo de jibe ava gboro haleluya amen wo nu nyina kaka ava gbole anya le la gbeda agbeda la tu mala gble gble ni mala ta mi ba ho na ba yin agbro yan ba ho na ba chan o be foju li o be ika mali agro yo le ka ma da we ri me mo na po nchi na dole do nuclear ma cha o cha o pro va na to yan gba le ga ba le da ba la ko ji gi a po a le ka je ba le agba di la nu fo fo kaka haleluya la nu fo fo amen a vo a nu mo via ani yo nyamo to a doja e ka gba ni vina a po a ayi bo nu do joji na mbe anya na ma do po yi ba a chochi ho pa ta ma le di ma fo wi ni Amen. Elan pro de comme do le doa elan pro cho yi e cho chi mu cha ve do gbara ta ni ka 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 to be nya ba yi kwa ya tre mbe le ke be ya tre ah na tre ma se e be nya ko na ke ma u yo ma e ko nya nya fa yo ma e ba to ma u yo ma akwa ejijon maji la sa ye honata ade ma wula wa maduna ta ayi mi church akaka bagboa nyama no nyama lo jin le ko ni mo ba wa ji ma jom ayi cho abe na do ho na ma be agba pro nya iko ji ma gba be na gamle si ba va tu e ji wa ka mai kojo na ma kwa pou ma ko ma ya di la sala mo vie ba to aji amen la po amen haleluya amen praise the lord haleluya mama ma wo nu garden ve du si onye o yo ba be nko be afayo me be ve du si nye be ba ba me be anofe black tobo La maman est adepte du fétiche appelé Afan Yomé. Ah d'accord. Son nom c'est Afan Yomé. Elle est adepte de fétiche. Parce qu'elle est la sœur directe du fan. Alléluia. Amen. Malgré qu'elle ait servi les idoles, entre-temps,
Elle a traîné les maux de tête qu'elle a essayé de guérir en vain. Elle dit qu'elle avait les maux de tête atroces. Elle est allée dans les hôpitaux, elle a visité plusieurs féticheurs, mais toujours il n'y avait pas de solution. Il fut un temps où les féticheurs, les charlatans ont dit qu'ils ont enlevé des cories de sa tête. Mais le mal persistait toujours. Un mal qui a duré 32 ans. Elle dit, ses enfants sont des chrétiens et sa fille qui est à côté d'elle est aussi chrétienne. Longtemps, elle lui a prêché l'évangile, mais elle a refusé de se convertir. Elle dit qu'elle a aussi eu une... Elle dit qu'elle a aussi un fils qui est musulman, qui a aussi essayé de traiter le mal en vain. Environ 6 mois, elle a capté notre chaîne de télévision, la JES TV. Et elle suivait la télé lorsqu'on présentait l'homme de Dieu, on disait Numovi Doji. Et elle s'est dit que l'un de ses petits frères est appelé Numovi. Et elle-même, elle a un fils. Et elle dit qu'elle a un fils qui se nomme Doji. Et après avoir entendu ce nom, elle a commencé par s'intéresser à l'homme de Dieu. Elle a suivi l'homme de Dieu qui a prêché l'évangile jusqu'à la fin. Et vers la fin, il a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie. Elle a placé la main sur sa tête. Il a prié jusqu'à la fin. Elle n'a rien ressenti. Lorsqu'elle s'est couchée la nuit, il y a quelqu'un qui est venu lui réveiller. Réveille-toi, maman. Elle s'est réveillée, la personne lui a demandé de voir le haut. Et quelque chose était encordé, lié en haut. Et la personne lui posait la question à savoir de quoi s'agit-il. Et elle a dit, c'est le crabe. Et la personne lui a dit, voilà ce que nous avons enlevé de ta tête. Alléluia. Amen. Au lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée, les maux de tête ont disparu. Alléluia. Amen. Et après cela, elle s'est dit, ah, alors il y a vraiment un Dieu plus grand que ces dieux en qui elle croit. Et donc, elle doit se tourner vers le grand Dieu. Et alléluia. Amen. Elle avait des cories liées partout sur son corps. Mais lorsqu'elle s'est convertie, toutes ces choses ont été coupées. Et le pasteur qui l'a aidé à se convertir lui a dit, tu ne seras plus appelé Afayome, mais tu seras appelé Maouyome. C'est-à-dire, tu ne seras plus appelé celle qui sue le fond, mais tu seras appelé celle qui sue Dieu. Alléluia. Amen. Elle s'est dit que le chasseur qui tue l'animal, c'est ce chasseur-là qui mange la tête de cet animal tué. Et elle dit que puisque c'est par le ministère de Numovi qu'elle a reçu la guérison, elle a décidé de venir dans le camp Jésus est la solution afin de partager son témoignage et dire publiquement aux gens que le Dieu de Numovi est merveilleux. Amen. Amen.
les hommes ont gagné que nous nous amis. D'abord, amen, on a nous nyeri. Et on a gbeda. Voilà. Nous mouvions nos gbeda. Amen. Nous avons nos kunayen tola kulo. Amen. Alors la maman dit lorsqu'elle est arrivée dans le camp et a vu la présentation du site. Elle s'est dit que celui qui fait du bien, c'est cette personne-là qui doit vivre longtemps. C'est cette personne qui doit avoir la longévité. Pour cela, quiconque se lèvera contre Noumovi, quiconque fera usage du gris-gris, du fétichisme, de la sorcellerie, pour en vouloir à la vie de Noumovi, que la terre se fende et qu'elle engloutisse cette personne. Alléluia. Amen. Prenez-le. Alléluia. Amen. Amen. Celle qui a carrément refusé de se convertir au christianisme par ce ministère, aujourd'hui, elle appartient à Jésus. Elle n'est pas aussi venue dans le camp, mais elle a juste suivi le ministère à la télévision. Et cette maladie qu'elle a traînée durant 32 ans a disparu. Toi, tu es venu dans le camp. Tu es actuellement dans le camp. Tu es en train de voir l'homme de Dieu face à face. Je voudrais te dire que toi aussi ton problème partira. Amen. Amen. Grand-maman, Dieu te bénisse. Celle qui suit désormais Dieu. Elle n'est plus celle qui suit le fond, mais elle est maintenant celle qui suit Jésus. Dieu te bénit, tu auras la longévité, tu seras totalement guéri. Bien que tu aies vieilli, le Seigneur Jésus te renouvelle. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment la grand-maman. Amen. 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 Jésus te donne la victoire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Mao onu ganam. Nu ganka. Nu kebe onam ni bena. Jinavi evia maden yemdi. Wakata nyonu vide de yoni. Ye eva va mebe. Amova le klona esro nyebe. Nyonu kai nyonu ayebe de gasia gami nyonu vibe la no jineo. Amarele di ma em popo de kaolo. Amare po nyonu vio ma dea. Ambe gawa le gbele tone. Yembe ma uke joma enya nuke jena. Alleluia. Amen. Enya nuke jena mi yebe so enam. Ta eye nye ola. Na de keme glone o game gbona ela so enam. Yembulone ne. Ye no vie de vato na mbe ma vato yaji. Yembe yo. Yemva. Kem vato yaji ya yemva dogbeda yem joa. Va for fou yem divianya tepia nsuvie. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Yem va be ava di dasia ta pe. Yem va be ma di dasia ma ta pe na mau. Amen. So ye dia e dolelele va kodo e vinye oji e pepo. Amen. 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 Epe po eva koro de via okata ji le ho ame. Wa pata le ku pe enyere ka yem le ku pe an. Kudo wa to keke u. Ye papa ke o so daro mi ato aji le enuya atapa me a. Yem va ye gbo yem gbolo ne. Ye dogbera nam. Kaka ma do a ho me a ame a dogom. Mama anyi ngba ku pe egbe ore. Mama anyi ngba ku pe egbe ore. Ye pe an vona o zere ka. Hallelujah. Eti jom. Amen. Yembe ewoke oleva to ya dia nyabena endodole mausi. Amen. Ela we now. Amen. Ndagbena maudo papa abagbeta. Amen. Hallelujah.
Amen. 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 Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 La maman remercie donc le Seigneur ce soir. Elle dit que Dieu lui a fait grâce. Elle s'est mariée. Et après le mariage, Dieu lui a fait aussi grâce. Elle a donné naissance à des enfants. Mais elle a fait jusqu'à 6 filles. Et elle n'avait pas jusque-là un garçon parmi ses enfants. Vu la situation, les gens ont commencé par donner de mauvais conseils à son mari. Et peu s'en est fallu que cette situation bouleverse complètement son foyer. Et elle dit, dans la situation, elle-même, elle était bouleversée, elle ne savait plus quoi faire. Lorsque finalement, quelqu'un lui a conseillé de venir dans le camp de prière, Jésus est la solution. Qu'ici, le Seigneur lui donnera la solution. Amen. Et effectivement, elle est venue dans le camp. Et lorsqu'elle est venue, elle aussi, elle a prié. Et ce qu'elle voulait, elle l'a demandé à Dieu. Après la prière, elle est repartie. Le Seigneur lui a encore fait grâce. Elle est tombée enceinte. Et elle espérait encore le miracle de Dieu. Par la grâce de Dieu, le miracle a lieu. Et lors de l'accouchement, le Seigneur lui a donné un joli garçon. Cette honte-là qu'elle traînait, cette situation qui voulait gâter son foyer, lorsqu'elle est venue dans le camp ici, le Seigneur a exaucé sa prière. Et aujourd'hui, elle aussi, elle porte un garçon dans sa main. Amen. 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 Prêt saisir de l'opportunité pour donner ce conseil à tous les hommes. Ce n'est pas en réalité la femme qui est l'auteur des enfants. Quand à chaque fois. Alléluia. Amen. Quand à chaque fois une femme donne naissance à des filles et l'homme commence par se lamenter, ce n'est pas en réalité la femme. Ce n'est pas en réalité la femme qui est le géniteur, mais le vrai géniteur, c'est le papa. Docteur le mia domé mio mia bio nu gomé les sciences mea nonwa no wo dodo pone a o me pona yebe hun le lamena de via ta nsuye do na fu no se amene jivena via me nonwa e o nsuye do vena vi be fu ta ame yo ke wo sro o le do ku ki ala pe me be le jinyon vi de na e ya de so fifi e le jin su vi de na e ya de so fifi a l'enfant demeure enfant. Si ta femme donne naissance à rien que des filles ou à rien que des garçons, sache que c'est toi qui en es l'origine. Alors, la maman ajoute également qu'entre-temps, tous ses enfants ont souffert de la toux, y compris également leur papa. Les traitements ont lieu, mais toujours il n'y avait pas de solution. Lorsque finalement, elle est allée rencontrer le missionnaire de l'annexe, Jésus est la solution d'Atakwame, qui a prié donc avec elle. Et lorsqu'elle a quitté l'annexe et elle est rentrée à la maison, jusqu'à ce qu'elle ne rentre dans sa maison, tous ses enfants lui ont dit, « Maman, depuis ton départ, nous n'avons plus toussé jusqu'à présent. » Par la prière, le Seigneur a guéri aussi tous ses enfants de leur toux qu'ils traînaient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Medakwe no ma o mi ato kudo be pome o kata bagbeta. Mbadakwe no ma o do ebe hado la o kata bagbeta. Amen. Ma o ne ire ne gba samine. Amen. Ye a mi si si pekpe ne kore ji ba kore mi akata ji. Amen. Nuse
Amen. 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 Now, Anugarenam. 2022 la. Adjustum. Aloleko blanama. Vinya meve. Oje do. Patak patak ubenya e. Yen ko yen budu vapie. Yen mau edenya. Edonu le nyenya me. America le capame e America le fie amekudo novia yono vi kudo musovie he nye mable omiela ma onye ma o amesame ne so be hose dareji no kale de funao ela we now amen amen le lord je dog pata e wo kakado ko ye ne va fiare ma wo yodonawa o yodonawo kenken o katalo la meseme wa patawo le la meseme ede o le kume ede o le kume ede o le kubasime yo plo va gbeme amen no vino pangba peto le ponupo ye bele globe na mi le ja senyade kakana otro mia senyare le mia be pomo me le nya te pemela me le zotope ye potable o le sone vinyo o sevanam obe o le jibe wa se vinye be nu popo nyono via si e gbale mi abe du me be na vinye ku kaka be na musuvia ele kapame e ya ya magbado gbero e tovo e won kaka mo su si be na vinyo tovo alo enye tonyabo ba ma ube nare tonya mu fo amen ye bo vinyo agbe amen ye yan chamela agbe na o le yesu ben kame amen maji hare kama ka fu ma u vitu kirela Alléluia. Amen. Alléluia. Et Mianoa de Estromballe de Viochi Cordine. La maman, il faut avouer qu'elle est une veuve. Yen toi et Kaila que de Viochi de Viochi va do yke on va tondre au quoi. Et voyez va jeto. America Jarava. Et va nok pas mes filles. Et ye n'tu vito et Jarava. Ye non vito cha et jeto. Ye o wakaka do kwe. Ye o ko va fi. Wa ebe yesu yodo wa le yin ojo do a obe o nyonu vito ya be eku kaka be dile yo gbo ho be e fi nyonu via eku lo wa ya mo le fan vi wa e ke do gbe ra voa yo pa gwa ye le cuisine kwa ye portable sonne yo so va obe ni ne yo se be via ku yo be a obe na mo ku yo aso nyonu via to pe gbe ye nyonu via to po nu po se eye obe ntu vitoya evone be ya madafa magavo gake kule yesua ye ha egbea yesu yo done keke mbale fima ele la meseme oh amen amen wa eji joy be mawu odo gaya ye ibe ya badida sebe na amerele tonu ya mela yesu yo ne yo ya be yi viwa awe na ya maha amen 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 Alléluia. Amen. Vie de coucou. S'il vous plaît, s'il de vous plaît. Là. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Français, tore, nous allons écouter la version française du témoignage.
Alors la maman dit où elle entame son témoignage en remerciant l'homme de Dieu, sa femme et toute sa famille. Elle remercie également les ouvriers, les pasteurs, les missionnaires qui travaillent en collaboration avec l'homme de Dieu. Elle dit en 2022, elle a deux de ses enfants qui sont tombés malades. L'un était troublé mentalement et l'autre était gravement malade. Elle a essayé de les traiter, ça n'a pas marché. Lorsque finalement elle a décidé de les amener dans le camp ici. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le camp, l'un a été mis dans la cellule des malades mentaux et l'autre était dans le temple ici. Et elle-même, elle continuait toujours par intercéder en leur faveur. Et elle avoue que par la prière dans le camp ici, Dieu a guéri ses deux enfants. Celui qui était dans la cellule des malades mentaux a été libéré de là. Et celle qui était également dans la chapelle a été complètement guérie de sa maladie. Et elle ajoute qu'au moment où ses enfants étaient malades, la nouvelle s'est répandue dans leur milieu que sa fille était morte et son enfant, le garçon, ne sera plus jamais guéri de sa folie. Mais par la prière dans le camp ici, le Seigneur a enlevé cette honte qu'elle traînait et il a guéri ses deux enfants. Et aujourd'hui, elle est là pour témoigner sa reconnaissance à Dieu et remercier le Seigneur, celui qui a totalement libéré ses enfants. Oh, acclame une fois Jésus pour la vie de la maman. Alléluia. Amen. Maman, nous souvitons que Jésus lui a donné là. Présentement, fille, elle est dans le Burkina. Elle est dans le Burkina, Fifi. La maman ajoute que son fils, son garçon qui était mentalement troublé et qui a vécu dans la cellule des malades mentaux, après sa guérison, il est actuellement au Burkina Faso et il faut avouer qu'il travaille au Burkina Faso. Alléluia. Amen. Alors, si le soir, si l'ennemi ne voudrait pas voir quelque chose dans ta vie, il a menti. Grâce à Jésus, il le verra et il le verra encore. Par ta présence dans ce camp, rassure-toi que tes ennemis seront confus. Amen. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Maou du Jinam, et diametant, et Maou du Nam. Eva Vam Ebena,
Amen. Amen.
Yesu aduchina ucha. Amen. Ke osesea esese wo kake besese wo Yesu. Amen. Oh, amen. Amen. La maman remercie donc le Seigneur ce soir pour la vie de ses enfants. Elle tient d'abord à remercier l'homme de Dieu, l'évangéliste Paul Dodjinoumonvi et tous ceux qui travaillent avec lui. Et elle dit qu'elle avait toujours l'intention de rencontrer l'homme de Dieu, mais elle n'a pas eu l'occasion de le rencontrer. Mais par la prière dans le camp ici, Dieu a exaucé sa prière et lui a donné la solution. Elle dit qu'elle a son enfant qui est à côté d'elle ici, qui est un maçon caroleur. Il fut un temps où l'un de ses amis avait voyagé sur la Côte d'Ivoire. Quelque temps plus tard, cet ami l'a appelé pour lui dire, « Voilà, il y a du boulot en Côte d'Ivoire, toi aussi tu peux venir. » Et avant de venir, il faut envoyer une somme de 600 000 francs, le logement, l'alimentation, tout y est compris. Et l'enfant a cherché cet argent qu'il a envoyé, et finalement, il a voyagé sur la Côte d'Ivoire. Quelques jours après le départ de son enfant, elle est allée à l'église lorsqu'on leur a informé de ce système d'anarque qui est monnaie courante aujourd'hui dans le monde. Et elle dit que lorsqu'elle a écouté ceci, elle a commencé par se soucier. Et effectivement, lorsque l'enfant était arrivé en Côte d'Ivoire, à chaque temps, il ne faisait que demander encore de l'argent. La maman dit qu'elle était étonnée, elle se posait la question à savoir, mon fils est allé à la recherche de l'argent, pourtant il continue toujours par demander de l'argent. C'est là, elle est venue dans le camp ici et elle a commencé par prier. Longtemps, son enfant était resté en Côte d'Ivoire là-bas, lorsque finalement, on les a pris et on les a envoyés en Afrique du Sud. Ils sont allés travailler pour un blanc, mais ils n'ont rien reçu comme argent. Finalement, ils sont encore revenus en Côte d'Ivoire et la maman dit, pendant qu'elle était ici et elle priait, un jour, son enfant s'est réveillé et d'une voix menaçante, il a commencé par dire qu'il doit quitter cette zone, ce club-là. Quoi qu'il faisait, l'enfant était déterminé à quitter la zone. Il a été très agressif et finalement, ils l'ont libéré, il est parti. Dieu lui a fait grâce, il a cherché encore de l'argent par d'autres moyens et finalement, il a gagné de l'argent et il est revenu sain et sauf au pays. Malgré que les escrocs voulaient détruire d'une manière ou d'une autre la vie de son enfant, le Seigneur a levé sa main par la prière de sa maman dans le camp ici. Et aujourd'hui, il est libéré, il est ici avec la maman pour remercier le Seigneur. En dehors de cela, la maman ajoute également qu'elle a un enfant. Ils vivent dans une zone où il y a plusieurs ghettos. Et l'enfant, un jour, était sorti de la maison pour acheter quelque chose, lorsque brusquement, il a été pris par les forces de l'ordre. Eux, ils étaient à la recherche de quelqu'un d'autre. Et par coïncidence, l'enfant a été pris. Puisque l'ennemi était en train de chercher toujours la vie des enfants de la maman, il est allé encore attaquer l'autre enfant de la maman. Le problème était devenu une affaire de la gendarmerie. Ils ont fait les démarches possibles, mais ça n'allait pas. Et finalement, l'enfant allait être déféré pour la prison. La maman dit qu'elle est toujours venue dans le camp ici. Elle a toujours prié. Et par la prière, le Seigneur a levé sa main et l'enfant aussi a été libéré. Et elle dit qu'elle était venue dans le camp ici au moment où on célébrait les 20 ans d'existence de ce camp de prière. Et lors de cette célébration, elle a vu pendant qu'on priait qu'un voile a été enlevé de son visage. Et elle avait l'impression qu'on avait aussi enlevé un fardeau de sa vie. Et après ces choses, elle a constaté que le Seigneur a complètement restauré sa vie. Et ce soir, elle est là pour partager ses témoignages et remercier Dieu, celui qui a combattu en sa faveur. Une fois, acclame Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le frère a passé un an, 9 mois entre les mains de ces anarcheurs, entre les mains de ces escrocs-là. Oh, mais Jésus a triomphé pour lui. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Et je l'ai Jean-Louis Troya. Abena mau du jinam. Tout ma mau ne ira mi. Mau ne ira papa koe pomea. Mau mene ba ira ame ki oke ke nek bedo me lo dokuya. E ba don semi. Eba ba men bena la me kwe tona zo dom. Même mes conditions, là, ma analyse, mon analyse, que quelqu'un comme le corps et les peaux. Ma clinique, des amis, au beau corps, avrocuier, aux avrocuitiques, on en va.
la mia gbalé tozo ele e va do afi dele se gbenja ku vorene en gbalé ke mawe o e no vinyi ku ata vien de le mia mia gboa o ina jesus ya la solution le agbalé peto o va o le kai ba se ngun le na radio a ne mbe ma yo a Je vais faire. Ela jo. Amen. Amen. Eke mle gbanne se deka papa college gbe na one do to ebe. Ameke mten khodo ya le khome le fiwa. No yi gazele pa me a. Onye dolele a. Amen. Embe a o Yesu du jinancha. To ekpa me o gazia me wa nyim to ku dolele a o. E dolele a vona nka ba na gbe ala me gba to so don ko. Ye o ba gazia, o ba ko pa o ba gazia. Le ikpo ye ke be gbanne le ikpo ye. Yeah, and you want to be vocally, yeah, Lena Lamelo, you know, the Lela Evo. The Lavo, you have an article. A beggar is Zeminama, also at Berojan and Beman, Mano Bintuaki. Came young, seven to a Tazo Kongbe, and so I can the Zemin Natasa Kongbe. Neck Bay, Yang Banu Neck Bova, it's Bodoyo. Amen. She jumped my dad, and I cover Maulo. Amen. Dolela no jo e di chato a fio le conjure e opene ne rafine baba fio e operika e operika afine baba fi janvier me yesu yodoa amen amen. Alors la sœur remercie donc le Seigneur ce soir. Elle dit durant un an elle a traîné une maladie et c'était des bouffées de chaleur dans son corps. Elle est allée à l'hôpital et après analyse il a été révélé qu'elle souffrait des vers. Et les traitements ont lieu à l'hôpital, mais il n'y avait toujours pas la guérison. Elle dit qu'elle a utilisé des tisanes, elle a utilisé des décoctions, mais toujours la guérison n'y était pas. Lorsque finalement, il y a certains membres de sa famille qui fréquentent l'annexe Jésus et la solution d'Agbalé Pédo, qui lui ont conseillé de venir dans le camp ici. Et en janvier dernier, elle était venue dans le camp. Et lors de la prière, il y a plusieurs personnes qui recevaient la délivrance et qui tombaient. Mais jusque-là, elle n'était pas tombée. Et elle se posait la question à savoir, maintenant que je ne suis pas tombée, est-ce que moi aussi je peux recevoir ma guérison? Et c'est là, l'homme de Dieu, pendant qu'il rendait ministère, il a dit que une fois que tu arrives dans le camp ici, sache que les problèmes, les maladies que tu as amenées dans le camp, tu ne vas plus repartir avec ces problèmes, avec ces maladies. Elle dit qu'elle a reçu cette parole prophétique. L'homme de Dieu ajoutait que même si tu fais les selles dans le camp ici, sache que c'est fini avec tes maladies. Amen. Et après le programme, elle s'est efforcée, elle est allée faire les selles. Et à plusieurs reprises, elle a fait les selles avant de quitter le camp. Et il faut avouer que depuis qu'elle a quitté le camp en janvier jusqu'à présent, elle a constaté que les bouffées de chaleur ont totalement disparu. Elle est bien portante et ce soir, elle est là pour remercier Dieu, celui qui l'a guérie. Reste là. Alléluia. Alléluia. Amen. J'en d'appelé ma ou le Troya. On est au Vireshia. N'a vu le cas le monti. Y'a d'un tombe ma d'appelé. Et y'a va dire à ses filles. Bé, bon, bon, y'a tout n'a bonjour, bonsoir, n'aï. Que ple pauvre bé calendrier quoi. D'oduisir bon, bon, nous. Et ma d'appelé ma ou bé. Et pour le coup, il y a des promos 2022. Donc, il y a des promos pour 2023. Il y a des promos 17. Il y a des promos donc, il y a des promos pour le monde. Amen. Il y a des promos pour le monde. 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 Il y a des promos pour le Elle va faire mes bénins 2019 août. Et on va des citoyens. Et on va, et je dirais que papa le après mes dents. Et bien les grands bénins, on vire les mots de mes dents, ma ouçon, on a eu de demi. Et bien tu me bases tao, pour me baser au poé, au tibé à chi, pour ma tenchi, bédo. La baisse ou à ma oui et deux. Oh la wafuku, pour ma douchi au bédo. Oya ma ndato yo na nme toto sese alo yo metiti sese o
Amen. Procelade. Alléluia. Hey. Avouez le mauvais alléonu. Alléluia. Procelade. Alléluia. Amen. Et ça, il me dit au pas, moi, pas, mais à pas, toi, je vous. Mais il y a du ya.
et yo wu avo ko zama mea pastor eku. Alléluia. Amen. Maula wa avamana madele zayame. Dieu combattra ainsi pour quelqu'un cette nuit. Maula vumia benkuo. Que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions discerner nos lieux de culte. Amen. Amen. Mkhona no do taji ta ba le dumpo na pa npo be ma u ba mi ava e gba le dan pe ake ye ma ba mi ava sun ko yin ke sun ko yin ya ye ke da pe pe ho pe a le si e ga da pe ko mo po ma le pe a ke ku le si ke o le pe a pe be tro de e ntro pa ma pada be mi ke ma e pe lo mi de ne juro ma wa no vi ye chaka le vu te gbe e jara wa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Mia dada ebe da se di owa. Da se ava o ma woni. Wo ebe gbe amele to ta mo nya nya ibele gboro. Hallelujah. Amen. 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 Ele gboro bena. Mi va toji ye ma pa me gboro gboro be. Nyonu de le amodo mea. Ma u chonu nyoro de me ga kia. Fi wo le subo le la. Elle ya ko yo mo titi la fi ma sugbo be gbe ma gbe mo pe gbogbo kasi ti ye ke itrojo ya te pe a enu over tojojo ye gbereka iba po be edande ba dui ye edame dudu mi a eta dore ba kore iji ko a iwo kaka dopo ye iba yide ko iba kudre de be yo le gbedo hore mi gbedo ho mi yo le a ye viviti le ho mi keke. Kwa yi pobe mo pa ma ba do le ho mi fi ye mo pa ma ba do a ke ye ba do se kala fi o kata o le le ho mi a fi ma nye kekeli ye de vi le ho mi de via ele ja ku le po ku bali ye be ta pa do be o pa so sro nu kemi le wo ya mo pa ma le gboro nini se le ka kwa ye be zo de via ji ko be kokko de via kwa ye de via gba pe ye be zo de ji be a o nyonu o me wo de ke opo ko lo won vi o kore ta mi na oda. Quoi, mais tu as si fille, le veilla, ou quoi, si dans le fond, quoi, il pobe, le dremia, il pote yo, que nous qu'il faut, et ta docha, et vonaï. Oh, alléluia. Amen. Eh bien, yo sananou, il va pas, yo pe, amenyanyede, ye, amenavas va, ho gale, et il n'a vu de cassive, beguasi, ye belle yoi, kaka ya pokoa, ametos ou janta, ye, janta, sore, jibi a lei quoi, ye, il pobe, il va sia, evasu, abuide kwaye ito abuya totane janta kwaye pobe abuya fetane kakare enune keya yo yo yobe amede kule famiya me eye etututule yye nwawo janta be ta ikpole de defia mea ke yoba ikute pea nende tutu amea be tawo ema. Oh, hallelujah. Efiobe ma uwo apane ebe inoa esubona le hame adebe ye ome ho yesu kiso jiso. Ye iba tona ino be maga ya fima be ya kule ba kpove lo ba ho yesu wa ino lo ye kule ba ho yesu nuno la ile fima eba tona ibe eba gbona ikume kunkume be ke ipo afa me kaka ime pa mere ke eye ipo be eye na ino ngbale ba igbole chochi tabe am vori nye ta ijade iroko cho fie ye ibe yo owo ma pa me ano gbolo ni ni a ye nya tepea ye o to ezao be ko la to ju hevi la ba igbo. Et il n'a pas de domna, bereka quoi. Il est maudit la fille, il a quoi, il pobe, le drecou comme quoi, il pobe, elle soit vous, le nia à l'eau la peau, mais valet. Il va dogoy. Il cobe, quoi, mon si quoi, il tote, quoi, tout d'abord, non, via un bon arrêt, mais bien mila dogo. Quoi, y a voix sonne, j'y vais aller. Quoi, il pobe, il be assitons ou et joe. Y a eu un mialon, et zoujoy, il la voix. Quoi, y a eu oui. Quoi, elle est n'a pas. Leke avoa ke wi pobe eku a detone nya tepe nya le zama mea nu no la ike tona ibe nya me von ya fiaya e zama zile kae cha ku. Oh, hallelujah.
Et il quoi a détonné néné ma tout. Oh, alléluia. Praise the Lord. Et bien, que bien, ah. Et bien, tu vois, que bien, que bien, va nous pour aya. Yemba, quoi, quoi, maouo, avagao, oh, amen. Et il y a dit la c'est attaque de la maou, mais avaïma ou naya, elle a ou na maricha. Amen. Oh, amen, Kandela. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et cette nuit, nous prions contre ce genre de serpent. S'il y a quelqu'un qui t'a ciblé et qui veut enlever ta vie, qui veut ôter ta vie, c'est vrai, il est plus fort que toi, mais il n'est pas plus fort que Jésus. S'il ne se répand pas, tu apprendras de sa mort. Tu iras à son cérémonie ou à ses cérémonies d'obsèques. Oh, amen. 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 La maman ou la sœur tient donc à remercier le Seigneur. Elle dit que d'abord, l'une de ses tantes l'a recommandé de venir remercier Dieu en sa faveur. Et entre-temps, il y a eu l'une de ses tantes qui est venue dans le camp ici rendre témoignage qu'elle vit à l'Occident. Et de temps en temps, il y a certains démons qui venaient lui saluer. Et les démons venaient dire bonsoir, bonjour à chaque moment. Mais depuis qu'elle a acheté le calendrier du camp de prière, Jésus est la solution, elle a constaté que ces démons ont cessé de lui rendre visite. Et elle tient donc à remercier le Seigneur. Et la tante en question a acheté 17 chaises pour remercier le Seigneur. En dehors de cela, elle dit qu'en 2019, elle-même, elle était venue dans le camp et elle était assise derrière. L'homme de Dieu dans son ministère disait qu'il y a une jeune fille ici, le Seigneur a mis en elle des talents, des dons excellents. Mais les sorciers de son église, les démons de sa famille sont en train de combattre ce don-là qu'elle a en elle. Que maintenant même le Seigneur est en train d'accorder une nouvelle onction à cette fille. Et après son départ de ce lieu, c'est vrai, elle vivra des persécutions, mais le Seigneur lui donnera toujours la victoire. Elle dit, lors de cette déclaration de l'homme de Dieu, elle a reçu une forte délivrance. Après la délivrance, elle est repartie chez elle. Et lorsqu'elle est repartie, dans un premier temps, elle avait vu un serpent. Et après cela, elle a vu qu'elle a été mordue par un serpent. Et après qu'elle ait constaté qu'un serpent l'avait mordue, elle a commencé par développer les maux de tête. Les maux de tête persistaient toujours malgré les traitements. Elle ne recevait toujours pas guérison. Elle dit, un jour, dans un rêve, elle voyait qu'elle était dans une église et l'église était remplie d'obscurité. Toute la chapelle était noire. Lorsqu'elle a constaté que l'homme de Dieu a fait son entrée dans l'église et dès que l'homme de Dieu est arrivé, les ténèbres qui étaient là ont été immédiatement dissipées. Les ténèbres ont disparu. L'homme de Dieu était arrivé avec une grande lumière et il y avait un enfant dans l'église qui était agonisant. L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que vous faites de cet enfant, maman, pasteur? Qu'est-ce que vous faites de cet enfant? Et il a prié pour l'enfant, l'enfant a repris vie. Et l'homme de Dieu est également allé vers elle pour lui dire que, qu'est-ce que tu leur as fait? Tu ne leur as rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont ciblé ainsi? Ils ont ramassé des vers qu'ils ont mis dans ton crâne, dans ta tête. Et l'homme de Dieu a touché sa tête dans le rêve. Et immédiatement dans le rêve, elle a constaté que les maux de tête ont cessé. Et lorsqu'elle s'est réveillée, effectivement, elle a constaté que les maux de tête ont totalement disparu. Depuis ce temps jusqu'à présent, elle est bien portante. En dehors de cela, elle dit que sa maman fréquente une église. Et elle dit que vu cette église-là, elle a déconseillé sa maman de continuer par fréquenter cette église. Et la maman a écouté ses conseils. La maman a cessé de fréquenter cette église. Et il y a, ou bien le soi-disant pasteur de cette église-là a commencé par menacer la sœur. Que pourquoi est-ce qu'elle va conseiller sa maman de quitter son église? Qu'il va lui montrer de quoi il est capable. Et la sœur dit, après ces menaces-là, de temps en temps, elle voyait un oiseau qui venait dans sa maison. Et à chaque fois que cet oiseau vient dans la maison, elle développe toujours les maux de tête. Le mal persistait toujours. Elle vivait ces persécutions-là. Entre-temps, dans un rêve, elle voyait que ce pasteur ou ce soi-disant pasteur qui l'avait menacé face à face s'était transformé en un chien. Et il renvoyait les brebis des maisons.
Et dans le rêve, elle marchait lorsqu'elle a croisé le pasteur qui s'est transformé en chien et qui pourchassait les brebis. Elle s'est arrêtée et le chien disait, toi tu n'as peur de rien, je vais te montrer maintenant de quoi je suis capable. Et immédiatement la sœur dit qu'elle a vu que sa main s'était transformée en feu. Et par sa main, elle a saisi la gorge de ce chien-là. Et dans le rêve, le chien est mort. Et après la mort de ce chien, elle a constaté que la langue du chien était sortie de sa bouche. Et au lendemain, le pasteur qui tenait des menaces contre elle, ce pasteur-là est décédé. Et à la mort de ce soi-disant pasteur, sa langue aussi était sortie de sa bouche, comme la façon dont la langue de ce chien-là était également sortie de sa bouche. En dehors de ça, elle ajoute également qu'elle a un membre de sa famille qui ne cessait de la persécuter. Et entre-temps, dans un rêve, elle voyait qu'elle était dans la boutique avec une de ses camarades avec qui elle avait l'habitude de vendre dans la boutique, que quelqu'un ou un lion était venu arracher l'argent de la main de sa camarade. Lorsqu'elle s'est tournée pour affronter le lion a été très agressif contre elle. Et elle a vu brusquement dans le rêve que sa main s'était transformée en une flèche. Elle a pris la flèche qu'elle a frappée sur la tête du lion. La tête du lion s'était fendue en deux et sa main est sortie en même temps de la gueule de ce lion-là. Et elle dit, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a appris qu'un membre de sa famille est décédé au lendemain de son rêve. Et lorsqu'elle est allée voir le corps de ce membre de sa famille qui est décédé, la façon dont elle a frappé la tête du lion dans ce rêve, la façon dont la tête du lion a été blessée dans le rêve, c'était de la même manière, la tête de cette personne qui est décédée était blessée également. Et vu ces grandes œuvres que le Seigneur a accomplies dans sa vie, ce soir, elle est là pour remercier le Seigneur pour les œuvres qu'il ne cesse d'accomplir dans sa vie. Et elle ajoute également qu'il y a un membre de sa famille qui a intégré un culte secret à l'Occident. Et de temps en temps, elle se voit ou elle voit qu'on lapide sa tête, qu'on lui lance des cailloux. Et elle dit un jour, elle était en train de faire encore ce rêve-là lorsqu'elle a vu l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était venu s'arrêter devant elle. La personne a encore lancé la pierre. Elle a saisi, ou l'homme de Dieu a saisi la pierre et a lancé à nouveau cette pierre à la personne. La personne a reçu cette pierre-là que l'homme de Dieu a lancée. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, cette personne qui l'attaquait spirituellement est mentalement troublée à l'Occident. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Voici Jésus Christ. Tu peux acclamer très fort Jésus-Christ. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais coucou, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. N'est pas pour vous aujourd'hui. Si les démons le font. Jésus, vous n'êtes. Jésus, nous. N'est pas maintenant aujourd'hui. Yeah.
sorciers ont fermé. Jésus les a surpris. Et il a peu mais dans tout là. Les portes ont fermé par les serpents. Jésus la voit les a aimé. Jésus les ouvrira cette nuit. Et que mamie ou attaque tout là. Les portes ont fermé par les sirènes des eaux. Et d'abord tout là. Les portes ont fermé par les esprits de serpents. Jésus Christ la voit les a aimé. Jésus Christ va les ouvrir cette nuit. Amen. Y a il en est bon. Amen. Comme béni de Dieu déclare amen. Mais de coucou mi bobo noani. Veuillez vous asseoir. Mais toi Jésus dit Zaya gado wezona mikata. Par le biais de Jésus-Christ, cette nuit, je vous souhaite tous la bienvenue. Oh, amen. Amen. Je vais saisir de cette opportunité afin de dire. Lundi Padia, Miko Amedro. La matinée, nous avions reçu des étrangers. Et ce soir encore, nous en avons reçu. Amen. Amen. Alors, sur l'autel ici, pasteur Samuel. D'abord, le pasteur Samuel. Il vient de l'Italie. Il est italien. Excusez-moi, il est italien. Pasteur. Il est pasteur. L'Assemblée de Dieu. Il est missionnaire. Le Niger. Il est pasteur missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu résidant au Niger. Alléluia. Amen. Avec son assistant qui est derrière au Niger. Et ils sont venus en délégation. Voici les autres qui sont de ce côté. Les tous viennent du Niger. On peut acclamer Jésus pour leur vie. Amen. Amen. Oh, alléluia. Alors, il dit, une nuit, il a commencé par écouter certains de mes morceaux dans son PC. La chanson dont les termes lisent, il parlera. En ma faveur, il va lutter pour ma cause. Mon Jésus parlera. Et le ciel va parler cette nuit. Oh, alléluia. Amen. Il dit en ce moment au Niger, il traversait des épreuves atroces. Et il ne sait d'où est venue cette chanson et il l'écoutait dans son PC. Il y a certains Togolais dans son église, il leur a fait appel afin qu'ils viennent l'expliquer un peu le sens de la chanson. Ils sont venus lui expliquer la chanson. Et c'est là qu'il s'est dit que c'est Dieu lui-même qui a envoyé la chanson parce qu'il ne sait d'où est venue cette chanson dans son PC. Si tu traverses les moments difficiles,
L'Éternel en personne enverra sa parole vers toi. Et en toute vérité, il a commencé par exécuter lui-même cette chanson et il priait avec. Et ce que Dieu lui a fait au travers est légion. Amen. Amen. Il m'a rencontré à Lomé à plusieurs reprises. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel les a amenés dans ce camp de prière ici ce soir. Amen. L'Éternel les a amenés dans ce camp de prière ce soir. L'Éternel t'a également amené dans ce camp ce soir. Et ce camp de prière est un lieu de refuge pour toutes les créatures de Dieu dans le monde. Et l'Éternel des armées, par l'existence de ce camp de prière, accomplira de bonnes choses à tous ses enfants dans le monde entier. Ici, dans ce camp de prière, chaque jour et chaque moment a son thème de prière. Le thème de la prière de cette nuit est intitulé « Serpent à domicile ». Alors, y a-t-il un serpent qui existe dans la maison et qu'appelle ton serpent à domicile? Et le serpent à domicile, c'est l'ennemi de l'homme qui est tout proche de lui. Et très souvent, je l'explique en disant que l'ennemi est différent de l'adversaire. Jésus a demandé à ce qu'on intercède en faveur de notre adversaire. Et Paul aussi, dans ses enseignements, a dit, lorsque ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. Mais l'ennemi, tu ne le connais pas physiquement. Il peut être celui qui souhaite ta mort, la mort de ton partenaire, ta partenaire de vie, la mort de tes enfants, la ruine, la faillite de tes activités. Et par la grâce de Dieu, d'autant plus que tu es dans ce camp. Amen. Et s'il existe un serpent dans ta vie, le ciel va le décapiter cette nuit. Et j'explique quelque chose à tout bout de champ. Les partenaires de vie peuvent, après une dispute, se garder rancune, mais ne sont pas en réalité des ennemis entre eux. Quelques temps après leur rancune, ils vont encore rester et vivre ensemble. Les frères consanguins, les sœurs consanguines peuvent avoir des disputes entre eux. Mais il pourrait ou bien il peut ne pas te souhaiter la mort. C'est de la même manière que ton partenaire ou ta partenaire de vie peut aussi souhaiter ou chercher ta mort. Ton enfant biologique peut aussi te chercher ta mort. Et ta maman aussi peut te chercher la mort. Ton ami peut souhaiter également ta mort. Ton employé que tu as embauché au service peut facilement souhaiter ta mort. Mais non, ou bien nous avions écouté un témoignage hier nuit. Ils sont ensemble dans le même service. Et quelqu'un lui il s'est levé, il a envoyé son frère à ce qu'il soit tué. Et le frère disait que son collègue a fait fatiguer. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il vit encore. Le collègue
Le collègue était dépassé parce qu'il voulait tuer son confrère. Et il était venu même faire ses aveux. Il a confessé tout ce qu'il avait comploté contre lui parce que celui-ci était leur chef dans le service. Amen. Et si tu en souffres d'un ennemi sans jamais le savoir, cette nuit le ciel va le briser en ta faveur. Je ne vous ai pas écouté. Parce que Dieu va combattre cette nuit. Et j'ai l'habitude d'expliquer très souvent que Dieu se présente sous cinq formes. La première forme de Dieu, c'est qu'il est le roi des rois. La deuxième forme, il est aussi le guerrier. Troisièmement, il est aussi juge. Sa quatrième forme, il est aussi avocat. Et la cinquième forme, il est le docteur des docteurs. Alors tout ce que je dis, alors quand l'Éternel porte son manteau royal, nous le nommons en ce moment roi des rois. Et c'est pourquoi nous chantons très souvent, il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Les ratim nénéma. Alors quand nous chantons de cette façon, et Dieu se réjouit dans les cieux. Personne ne l'a intronisé roi. C'est lui-même qui s'est intronisé. Et il s'est porté la couronne royale. Et il s'est assis sur le trône royal. Il est roi immortel. Les rois sont mortels, mais lui, il vit d'éternité en éternité. Et je dis, il est avocat. Il est aussi avocat. Il est à la droite du Père, à l'instar de Jésus-Christ, qui défend notre cause. Alors, le roi des rois, qui est en même temps avocat, quand il y a un problème, et il défend notre cause. Et amen. Amen. Et si toi, dans ce monde-là, tu n'as personne capable de te défendre dans les faits dans lesquels tu es, le Seigneur ira défendre ta cause. Amen. Amen. Pour cela, cette nuit, je prie afin que tous ceux-là qui sont confrontés à des problèmes et malgré cela, vous n'avez personne pour défendre votre cause, je prie à ce que le Seigneur, celui qui est notre avocat, défende votre cause afin que justice soit prononcée en votre faveur. Deuxièmement, et il est aussi juge. Et le juge qu'il est, il juge de façon équitable. Et le dernier jour, c'est lui qui viendra juger le monde entier, y compris les morts et les vivants. Et
Amen. Alors, il y a certains jugements, le Seigneur ne va pas attendre le dernier jour avant de se prononcer pour le jugement. Alors, s'il y a un litige auquel tu es confronté, il y a un problème auquel tu es confronté, que le Seigneur se lève de façon illico presto afin de juger et de prononcer la justice en ta faveur. Alors, si tu es quelque part, réponds. Amen. Hallelujah. Amen. Quatrièmement, il est le docteur des docteurs. Et quand nous invoquons son nom et que nous demandons qu'il vienne guérir, et il porte la blouse des docteurs. Son nom est docteur des docteurs. Il guérit toutes sortes de maladies. Quand nous invoquons son nom sur place ici, même jusqu'à l'extrémité de la terre, les maladies disparaissent des corps. Analyse managneau. Sans bilan de santé. Mais les gens obtiennent la guérison. Aucun docteur ne peut jamais s'égaler à lui. S'il y a une maladie inguérissable dans ta vie, le docteur des docteurs va te guérir cette nuit même. Alléluia. Amen. Et ton lien à ton lien à ta frontière. Sa cinquième forme. Yenye Yehovah Avafia. C'est qu'il est l'Éternel des armées. Général Oleza. Alors Avafia Oleza. Il existe plusieurs généraux. Gake Avafia Adele. Mais il existe un général. Et y'a banana Avafia Okata. Lui, il est le général des généraux. Il est le général des généraux. Et c'est lui que nous appelons Éternel des armées. Cette nuit même, l'Éternel a déjà porté son treillis de guerre. Dans le lieu céleste, si vous voyez l'Éternel tout de suite même, à cause de toi, l'Éternel s'est habillé déjà en treillis de guerre. Il va combattre en ta faveur cette nuit même. Je te rassure, une bataille va se déclencher cette nuit. La bataille sans fusil et sans épée. Si tu m'entends, déclare Amen. Amen. Déclare plus fort Amen. Hallelujah. Amen. Je vous en prie, assoyez-vous. Pour cela, une situation que toi tu traverses et tu n'as aucune force, qu'il en soit un problème spirituel, un problème physique, et la chose est tout proche de toi, dans ta maison, dans ton service, les témoignages confirment déjà la parole de Dieu. Maman dit dans son ami, une maman a témoigné ici hier qu'elle souffrait d'une maladie. Et la chose tire son cœur. La chose tire, mais elle lui tire le cœur. Oh, amen. Amen. Alors, ce qui tire le cœur de cette maman, la chose voudrait simplement arracher son cœur. Mais c'était un serpent. Alors c'est ici, dans ce camp de prière, que ce serpent a été retiré de son corps. Et au finish, Dieu lui a révélé clairement la chose que ce sont les membres de sa famille proches d'elle. Oh, amen. Amen. Savon,
Alors, ce sont les membres de sa famille proche d'elle qui l'ont sacrifié afin de s'enrichir. Et du moment où ce serpent vomit l'argent, alors à la personne qui l'a sacrifié, directement le serpent tire son cœur dans l'intention de l'arracher pour qu'elle meure. Et il y a 15 ans de cela qu'elle souffre des mains de cette maladie. La maman dit, quant à elle, elle intercédait en faveur de ce dernier afin qu'il survive, pour qu'il prospère. Mais malheureusement, c'est lui qui est à l'origine des difficultés qu'elle traverse. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'il existe quelqu'un qui est à l'origine des difficultés, des épreuves que tu traverses dans ce bas monde-là, Dieu va le briser cette nuit. Alors dans ce camp de prière, cet ennemi rôde autour de toi et à l'autre. L'argent rôde dans tes témoignages que tu y entends. Voici le jour que le Seigneur combattra en ta faveur. C'est le jour où le Seigneur combattra dangereusement en ta faveur. Un combat sans fusil et sans épée. Si tu montes quelque part, repos, amen. Alléluia. Amen. Mais de coucou, mia tso, mia pe bibla o. Veuillons prendre nos Bibles. Marque nous les Marc au bac baléta. Ils ont dans l'Évangile selon Marc chapitre 14. Et ta huitne, oui, blave vent. Et ta matique, oui, André, va s'aider blave vent et Kélia. Marc. Évangile de Marc chapitre 14, verset 17 à 21. Mais les règles avec la Bible, elles sont là. 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 Elles sont Aye, ode asi nu hahame le eglom le ebiam de kabena nyelo ke eglona ubena enye amewie veawo dometo de ka amesipe asi le agbame dim blim ke amagbeto vila le yim abe alesi wo ngode enti ene gake baba na amesiji watu ade amagbetovila asi anyona amema bena omagahaji o. Nous lisons dans l'Évangile selon Marc chapitre 14 verset 17 jusqu'à la fin du 21e. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et ils lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le 21e verset. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. Oh, amen. Amen. Baba, na amesila de masi no mega hajiola nyoneu. Alors, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Alors, j'ai dit très souvent ici, bon, ici le français parle du malheur, mais quand nous voulons interpréter littéralement ce que la langue maternelle dit, c'est pas bien du courage.
Baba, mebe oli, vo, il vo, vo. Existe différentes catégories de courage. Aye, baba, ban toye nyebe. Alors, le premier courage, nane le wow. C'est que tu souffres d'un mal. Aye, nele se veve. Dans ton corps. Amela fa konao. Quelqu'un viendra te souhaiter courage. Nene makea. C'est de la même façon. Et tu as piétiné quelqu'un. Et tu peux souhaiter courage à la personne et lui dire, je ne savais pas avant de te piétiner. Alors, ce malheur de Jésus dans ce passage, alors, c'est le malheur qui frappera la personne. Et Jésus dit malheur. Jésus est venu dans le monde en tant que sauveur. Il a été envoyé dans l'intention de sauver l'humanité. Il est promis que Jésus mourra, qu'il sera livré. Et il sera tué. C'est. Écoute. Voilà. Mais il existe quelque chose. Oh, alléluia. Amen. Alors, que celui qui va le livrer, les prophéties l'ont déjà déclaré. Un jour, quand Jésus a entamé sa mission, il a choisi 12 disciples. Et la Bible déclare qu'il a choisi quelqu'un parmi les 12 comme trésorier. Alors c'est lui qui gardait les finances. Et quand ils vont sur un terrain quelque part et qu'ils ont besoin d'acheter de quelque chose, ils font appel au trésorier. Et la Bible déclare. Alors le nom de ce dernier est Judas Iscariot. Alors c'est lui qui livrait Jésus. Alors il fut un moment. Ils étaient à table. Alors Jésus disait que le Fils de l'homme sera livré. Mais celui qui va le livrer n'est pas loin de lui. Les disciples s'entre-regardèrent. Parce que Jésus a répété deux fois cette parole. La troisième fois, c'était au moment où ils étaient encore à table. Ils étaient à table en train de manger. La Bible déclare, Jésus a encore réitéré les mêmes paroles. Alors c'est quelqu'un d'entre vous qui va me livrer. Celui qui va me livrer est parmi vous tout de suite. Écoutez, Judas. Judas Iscariot était parmi eux. Et c'est Pierre, il était la première personne qui a interrogé Seigneur. Est-ce moi? Parce que ce que le Seigneur Jésus disait avait tellement touché Pierre qu'ils seront en train de partager la même table sur place ici et quelqu'un parmi les 12 serait capable de livrer le Seigneur. Cela avait tellement touché Pierre. Et Jésus a dit, je n'en sais pas. André aussi a interrogé le Seigneur, est-ce moi? Jésus répondit, je ne sais pas. Jacques aussi l'a interrogé, Seigneur, est-ce moi? Yes, yes, oh, oh. Jésus répondit, je n'en sais pas. Jean aussi l'interrogea, Seigneur, est-ce moi? Yes, oh, oh. Jésus répondit, je n'en sais pas. Judas Iscariot, quant à son tour,
disait aussi, Seigneur, est-ce moi? Mi Seigneur que Jésus donne t'il a? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus donne t'il me wonto wegble. Et Jésus lui a répondu, c'est toi-même qui l'a dit. La réponse de Jésus à Judas Iscariote, il a dit je n'en sais pas. Mais malheur à celui qui va livrer le Fils de l'homme. S'il ne fut pas né, mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né. Je vous en prie. Jésus savait pertinemment qu'il serait livré. Alors, fondamentalement parlant, est-ce que Jésus allait souhaiter malheur à celui qui doit le livrer? Y existe-t-il quelqu'un dans ce bas monde-là qui est plus bienveillant ou généreux que Jésus? Y a-t-il quelqu'un dans ce monde-là qui est plus miséricordieux que Jésus, qui aime plus que Jésus? C'est Jésus qui nous aime plus. Mais Jésus a souhaité malheur à celui par qui il sera livré. Le Fils de l'homme s'en va, il sera livré. Mais celui qui va le livrer, mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né. Ce que Dieu fera de tes ennemis, il finira par déclarer, mieux vaudrait que je ne m'intervienne plus dans ses affaires. Parce que ta ruine, ta honte, ton rabaissement qu'il souhaite, Dieu combattra en ta faveur cette nuit. Il y a un grand combat qui va s'engager cette nuit. Judas Iscariote, celui qui a déclaré cette parole. Jésus aussi a posé un acte. Si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, il n'aurait jamais su que c'est Judas qui doit le livrer. Lorsque Judas aussi faisait semblant de l'interroger, Seigneur, est-ce moi? Jésus allait encore répondre comme les autres, je n'en sais pas. Mais Jésus a dit, c'est toi-même qui l'a dit. Et Jésus dans la suite disait que celui qui mettra la main dans le plat avec moi, tout de suite, ce serait la personne. Celui est sûr, le poignet de qui je passera la sauce, c'est cette personne-là qui va me livrer. Écoutez-moi. Oh, amen. Amen. Nagate ko amen à l'agnonto. Si encore, amen. Yesube Amerika makabolo asotichida alotana. Jésus a dit, le poignet de celui sur qui je passerai la sauce devrait savoir que c'est cette personne qui me livrera. Ce qui veut dire, Jésus voudrait révéler et démontrer aux apôtres que le méchant se trouve parmi vous. Alors, celui qui veut à ta mort n'est pas loin. Il est proche de toi. Celui qui est à l'origine de tes souffrances n'est pas loin. Il est dans votre famille. Mais aujourd'hui, Dieu va combattre en ta faveur. Dieu va combattre en ta faveur. Si Dieu avait combattu en faveur de Jésus, aujourd'hui c'est ton combat qu'il va livrer. Écoutez-moi. Alors, Judas Iscariote a vendu Jésus et il a pris la somme d'argent à laquelle il a vendu Jésus. Et il est revenu. On l'a interrogé, si nous arrivons, comment allons-nous savoir que c'est lui l'homme qu'on doit arrêter?
Et il répondait à ceux à qui il a vendu Jésus, « Quand vous serez là, celui à qui je ferai des baisers, sachez que c'est la personne. » C'est lui qui a dit, « Seigneur, est-ce moi ?» Tel que les autres aussi ont interrogé Jésus. Alors qu'en réalité, il faisait l'hypocrisie. Après son départ, il a réellement vendu et il a pris la somme d'argent. Et il est venu avec les acheteurs de Jésus. Et il a présenté Jésus à ceux qui l'ont acheté. Et c'est là qu'il est venu faire des baisers à Jésus. Et Jésus disait, « Oh, Juda, est-ce par des baisers que tu finiras par me livrer ?» La Bible déclare que Jésus a été arrêté. Jésus était maltraité, fouetté. Mais Judas n'avait pas bouffé la somme d'argent à laquelle il a vendu Jésus. Mais Judas lui-même s'est précipité dans le temple. Et il est allé se pendre. Et il s'est éclaté. Ton ennemi va s'éclater. Aujourd'hui où nous parlons maintenant, Jésus demeure le roi des rois. Mais le méchant, qu'est Judas Iscariote, celui qui s'est levé contre lui, lui il s'est éclaté. Et la somme d'argent à laquelle il a vendu Jésus, il ne l'avait pas non plus bouffé. Quiconque tient des réunions contre ta vie, qu'il en soit une réunion spirituelle, une réunion physique, que l'Éternel combatte en ta faveur cette nuit. Que Jésus combatte pour toi cette nuit. Déclare-moi Amen. Déclare-moi Amen. Lève-toi, déclare Éternel. C'est toi le Dieu de guerrier. Tu avais combattu en faveur de Jésus-Christ. Cette nuit, il n'est plus question de Jésus. Appelle ton nom là où tu es maintenant. C'est moi, Alain. C'est pour moi que tu vas combattre cette nuit. Toutes les réunions spirituelles et physiques qui sont formées contre ma vie. Jehovah, Éternel. Wava. Combat. Avajo. 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 Maintenant même. Ce combat n'est un combat ni de paix ni de physique. Que l'Éternel combatte en ta faveur. Le baba baba page. Amen. Déclare Éternel. Je ne connais pas mes ennemis.
Dans ma famille paternelle. Dans ma famille maternelle. Dans ma localité natale. Dans ma belle famille. Au sein de mes amis. Dans notre église. Toute personne qui souhaite à ma mort. Mon humiliation. Ma honte et ma ruine. Jehovah, éternel, Wabana, combat en ma faveur.
Alors tes biens seront troublés. Et celui qui a l'origine de ce problème là serait à côté de toi et compatir avec toi comme quoi, pourquoi tes activités étaient bien bonnes ici. Je vous en prie, déclarez éternel toutes les bonnes choses que tu as ajoutées à ma vie. Et l'ennemi se lèvera et va les détruire. Les esprits qui vont souhaiter détruire ma bénédiction. Les esprits qui vont souhaiter détruire mon travail. Éternel, combat pour moi maintenant. Ils arrachent la bénédiction de leur main. Les esprits qui empêcheraient les voix de ta bénédiction. Maintenant même. Gloria Baba Baba Sara Baba Yande. Gloria Baba Baba Gloria Baba Baba Sara Baba Gloria Baba Baba Sara Baba Yande. Ta bénédiction. Les esprits qui se sont réunis. Les esprits de Jésus. Et on les familles. Dans ta famille. Mais tu ne pourras jamais évoluer. Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Veillons dire Amen. Déclare éternel. Les esprits qui sont en train de troubler les vies conjugales. Les sorciers qui sont dans nos familles. Qui sont en train de semer des troubles dans notre vie conjugale. Empêchant la procréation. Éternel, combat cette nuit. S'il y a quelqu'un dans ta famille. Qui sème des troubles entre toi et ton partenaire de vie, le combat en ta faveur. De foyer au tas. Que Dieu combatte en faveur de ton foyer. Rendez-le chacun. Aso chaka chaka. Mais je suis des troubles. Ameno gome masse masse. Les maisons tentes. Attends notre demi à domaine. Qu'il sème parmi vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qui m'écoute cette nuit déclare Amen. Nous allons encore prier maintenant. Nous allons bien sûr mourir plus tard un jour. Mais la mort prématurée que l'ennemi te planifie. Que la mort retombe sur l'ennemi lui-même. Amen. Amen. Pour cela, déclare éternel. La mort émanant des braqueurs. Accident beaucoup.
La mort accidentelle. La mort par livraison au charlatan ou marabout. La mort par empoisonnement. Toutes sortes de morts qui n'émanent pas de Dieu et que l'ennemi planifiera contre ma vie. Oh, la mort planifiée contre mon épouse et mes enfants. Que le cercueil retourne aux méchants eux-mêmes. Que les tombeaux aillent aux méchants eux-mêmes. Maintenant, même. Rakata kabaya. Andebrondabaya. Masekete kabaya. Écoute le ciel. Que l'éternel combatte. Nous prisons cette catégorie de mort. Le Yesu Christ open come. On nous rejette. Le Yesu open come. Dans le nom de Jésus. Mik bonambe, amen. Dis amen. Miega yetia gadogbeda. Nous allons encore prier. Oh, amen. 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 Dans le désir de que le roi vous tient la main. Toute maladie qu'il y a dans ton corps. Les maladies pour lesquelles tu as suivi des traitements, tu as bu des médicaments, mais hélas. Parce que c'est une maladie d'ordre spirituel. Quand toi tu perçois ton salaire mensuel, tu ne fais que l'investir à l'hôpital. Quand toi-même tu tombes malade, une fois que tu es guéri, ta femme tombe malade. Après la guérison de ta femme, ce sera le tour de tes enfants. Déclare éternel. Les esprits de tout genre qui ont envoyé des maladies dans ma famille, dans mon foyer conjugal. Les maladies introduites dans mon corps. Que ces maladies obéissent à la voix de on Jésus. On ne peut pas libérer ton âme. Toutes sortes de maladies. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, la dernière prière de combat que nous allons faire. Bien sûr que certains soient ici physiquement, mais leur âme est saisie et est regroupée dans la réunion des sorciers. Amadoula. D'aucuns sont livrés aux esprits de fantômes. Raison pour laquelle, bien sûr que tu sois vivant, tu ne fais que converser avec les morts. Ils t'ont même vendu aux puissances marines. Un grand combat va se déclencher cette nuit. Toi, tu fais partie ou bien ton âme est entre les membres des cultes secrets. Ils sont en train de jouer ton âme comme un ballon rond. Déclare éternel. Partout se trouve mon âme. Partout se trouve l'âme de quelqu'un. Que le combat s'engage là-bas maintenant. Que le combat s'engage là-bas.
Que ces âmes reviennent. Libérez maintenant les allées. Voici l'heure à ce que la puissance de Dieu se manifeste.
Maintenant même, Bokokwe, Saint-Esprit, mais les dons fifififi, je t'envoie maintenant même. Tous ceux-là qui sont vendus aux esprits de fantômes, avoir job. La bataille se déclenche maintenant. Avoir job. La bataille se déclenche maintenant. Fipilai. Tout de suite même. Avoir job. La bataille se déclenche. Hey, fipilai. Maintenant. Même avoir job. La bataille se déclenche. Le Yesu ben kame. Au nom de Jésus. Mandorobo shayanda. Azurianda kaboka. La puissance du Saint-Esprit est descendue tout de suite même. Elle est doyom le katu. Elle guérit et délivre à la fois. Les âmes qui se trouvent entre les mains des fantômes. Quand tu rêves, tu vois les morts jadis. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant même. Délivre cet homme du cercueil. Délivre d'entre les fantômes. Bando Kambase. Tu es vendu au sorcier, toi. La zéo balomé. Tu es dans les mains des sorciers maintenant. Louva le foupem. Ton âme souffre amèrement. La zéto va si mais. Des mains des sorciers. Fipilai. Tout de suite même. La puissance du Saint-Esprit est en train de délivrer. Sors des mains de sorciers. La bataille s'engage. La forêt classée dans laquelle tu es placé. Que le Saint-Esprit te ramène dans cette forêt. L'arbre sur lequel tu es placé. Les termitiers dans lesquels tu es placé. Que l'éternel Dieu te ramène cette fois. Que l'éternel Dieu te ramène. Que l'éternel Dieu te ramène. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te ramène. Fipila. Tout suite même. L'Esprit de l'éternel. Va. Est descendu. Eva. Elle est là. Eva. L'Esprit de l'Éternel est là. Eva. Il est là. Mandoro Boshaya. Zukata Kabeka. Ameyo Sanangoli Bogbo. Pour ceux-là qui sont vendus aux esprits de fantômes. Mami Wata. Les sirènes des eaux. Oto Bakinao la Pougome. Ont apporté une barque d'alliance sous la mer. Boko Konetu Kaovipila. Que le Saint-Esprit te délivre maintenant. Togole Baba Mate. Sors de ces liens maintenant même. Avatio la Pougome. La bataille s'engage dans la mer. Avetiome. Dans les forêts. Tosisiome. Dans les rivières. Avatio. La bataille commence. Avatio. La bataille commence. Avatio. La bataille commence. Rabababababababa. Ronde kambaboka. Masakata kabraya. Galeria kata kabaya. Mais d'ailleurs nous vivons toujours ici là. Fipilai. Maintenant mais. Bokbokokwe. Saint-Esprit. Zom. Manifeste-toi. Zom. Manifeste-toi. Zom. Manifeste-toi. Zom. Manifeste-toi. Bokbokokwe. Zom. Saint-Esprit manifeste-toi. Fipilai. Maintenant. Marabaya kata. Galeria kata. Oh. Sous la terre, la bataille s'engage là-bas. Et les esprits de serpents constituent un esprit de famille que tu vois très souvent dans le sommeil. L'épée à double tranchant du ciel décapite le serpent maintenant. La bénédiction se trouve dans les mains de ce serpent. Que le serpent vomisse ta bénédiction. La bonne santé est entre les mains de ce serpent. Et que le serpent vomisse ta bonne santé. Maintenant, je chasse l'esprit de serpent. Et serpent.
Et esprit de serpent. Et esprit de serpent. Et esprit de serpent. Et esprit de serpent. Et esprit de serpent. Vive là. Maintenant même. Bokbokokwea. Saint Esprit. Ne touche pas vive là. Il te délivre maintenant. Ne touche pas vive là. Libère maintenant. Tout ce que les sorciers ont déjà apprêté afin de consommer leur chair. Ils ont menti. Ils mangeront leur propre chair. Eux-mêmes boiront leur propre sang. Les pipilles. Maintenant même. Les yeux supérieurs comme. Dans le nom puissant de Jésus. Les yeux supérieurs comme. Au nom puissant de Jésus. Ils mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang. Au nom de Jésus. Tout de suite même. Éternel a vaincu maintenant. Avec la bataille commence. Que la terre se fonde. Et qu'elle engloutisse tes ennemis. Quiconque se lève contre toi, que la terre se fend et qu'elle les engloutisse. Ceux qui ne veulent pas te voir, la mort qui te planifie, qu'elle te soit transformée en vie. Dans ce cas de prière, tu es venu. Tu évolueras. Ton partenaire de vie évoluera. Tes enfants évolueront. Tu seras prospère. Tout ce dont à qui Dieu a donné de bon et super dons spirituels. Une nouvelle et grande onction. Les méchants s'opposent à votre onction et ton spirituel. Les sorciers sont dans ton église. Ils t'ont arraché ton don spirituel. Tu ne comprends plus rien dans ta mission. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Ils ont menti. Que tes dons se déclenchent à nouveau. Une nouvelle onction. Reçois-la tout de suite. L'onction de la guérison. Reçois-la maintenant. L'onction prophétique. Ne va Dieu vivre là. Elle descend sur toi maintenant. Nous connaissons pas Jésus, pas Missus. L'onction des miracles et des signes. Ne va m'y abattre, mais vivre là. Elle descend dans votre vie maintenant. Abonne pour l'économie. Que les portes s'ouvrent devant vous. Fils à fille, ne l'énarquez pas. Où que tu sois sur la terre. Yen de le yo maintenant. Et quelque chose te persécute. Pourquoi ça, pourquoi vieux? Toi-même, ta partenaire de vie et tes enfants. Et nous, la faute en ami. La chose est proche de vous. Vous empêchant de réussir. Et nous, la chose a menti. Et ben, mi agno a gagnoke. Vous réussirez et vous réussirez davantage. Mi agno a gagnoke. Vous réussirez et vous réussirez davantage. Oso a gladjeje. Ils ont frappé tes enfants de la rébellion. L'impolitesse caractérisée. Le vol ou la kleptomanie, le tabagisme et l'alcoolisme, la fréquentation des boîtes de nuit, c'est ce qu'ils ont semé en tes enfants. L'homosexualité et le lesbianisme. Ils ont détruit la vie de tes enfants. L'Éternel te délivre tes enfants maintenant. Que l'intelligence de tes enfants
soit élevé à un autre degré. Ainsi soit-il dans votre vie cette nuit. Tous ces dons, leurs finances sont cachées par les sorciers. Demain hôpital, après demain hôpital. Cette nuit, Jésus a vaincu pour toi. Yaira on est trop bonheur. Que ta bénédiction revienne à toi. Emmène Nyona. Sois prospère. Le Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Améole le domi d'acide dans le léoji. Que tous les malades posent la main là où ils ont mal. Partout quelqu'un a mal dans son corps, que la personne pose la main à l'endroit. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Les maladies de toutes sortes. Cancer. Le cancer. Jésus te guérit de cette maladie. Du sommet de ta tête à la plante des pieds. Yes, Jésus te guérit. Sida. Le VIH sida. Yes, Jésus guérit ce mal. Hépatite. Les hépatites. Yes, Jésus guérit cette maladie. Diabète. Le diabète. Yes, Jésus guérit cette maladie. Nkuvio. La cécité. Nous les yes ben comme recouvre la vie au nom de Jésus et ton coucou la surdité yes yodomana Jésus te guérit de ce mal ta gomme vovo la sinusite yes yodom Jésus te guérit et tu te tabedon le gros cœur yes yodomana Jésus te guérit de ce mal pribok la fauve la paralysie des deux pieds yes yodomi Jésus vous guérit. Et kaome. Maladie dans tes nerfs. Et putome. Maladie dans les os. Et laome. Maladie dans la chair. Et vuome. Maladie de sanguine. Yes, yotomi. Jésus vous guérit. Aïkuo. Insuffisance rénale. Wojimepu. Ta colonne est ébrale. Yes, yotomana. Jésus te guérit de cette maladie. Mais donc, brade tao. Je prie maintenant en ta faveur. Et tu te tebeto. Le gros cœur. Oba tome nous oblé. Les médecins ont déclaré que les organes de ton ventre sont infectés. Tu pone woye yena. Le ciel te le renouvelle cette nuit. L'impuissance sexuelle. Et tu bégle. Les mauvaises semences. Yes, yotami. Jésus vous guérit cette nuit. Yes, yotami. Jésus vous guérit cette nuit. Lame rojo. Les bouffées de chaleur. Abivole lame. L'infection incurable dans le corps. Yes, yotami. Jésus vous guérit cette nuit. Agbakpekpe de siade. Tout fardeau pesant. Fin bagba. Fardeau de tête. Foyer bagba. Les foyers, les fardeaux de foyer conjugal. Et vimaji bagba. Les fardeaux de stérilité ou infertilité. Et son madé madé bagba. Les fardeaux de célibat. Yes, miakba wanjo. Jésus enlève ces fardeaux cette nuit. Et cou le miabe famille. La mort prématurée se trouve dans votre famille. Yes, dujina oya ekbe. Jésus a vaincu pour toi aujourd'hui même. Que la longévité soit votre portion. Soyez prospères. Alors tout ce qui t'appartient, les serpents à domicile t'empêchent d'entrer en possession de cela. Aujourd'hui, Jésus t'arrache à ta portion. 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 Amen. Dites Amen. Mais de coucou minoani. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant prier. Je prie et je confie les quatre coins du monde entier entre les mains de Dieu. Je confie tous les chefs d'État en personne, leurs épouses et leurs enfants. Tous les ministres. Sénateur au Qatar, tous les sénateurs, préfets au maire, les préfets, les maires, soldats au Qatar, les soldats à divers niveaux,
Les rois et chefs traditionnels, tout ce que je viens de citer, eux-mêmes en personne, leurs épouses et leurs enfants, tous les gouverneurs, éternel Dieu, veille sur eux. Intègre ses cœurs. Prends en possession ces âmes. Ces hommes-là sont aussi chers à toi. Papa. Père. Je demande la paix pour le monde entier. Les pays belligérants. Les pays où il y a des effusions de sang, que la paix regagne ces pays. Nous arrêtons les crashs aériens, les naufrages des navires ou des bateaux, accidents de voiture, accidents de moto. Jésus-Christ. Viens remporter la victoire à tous tes enfants. Papa, Père, nous prions maintenant contre les incendies des entreprises ou sociétés. Que ta grâce vole au secours de toutes tes créatures. La diaspora togolaise, il y a des difficultés de papier d'identité. Il y a des difficultés d'emploi. Les problèmes de mariage. Les difficultés de fertilité. Papa, Père, accorde-leur la victoire. Je prie maintenant même. Je te les confie. Éternel Dieu. Alors, toute la diaspora africaine qui a des problèmes de documents d'identité, des problèmes d'emploi, de mariage, de procréation, tous ceux-là qui sont malades actuellement, alors tout ce que tu opères comme merveille dans ce camp, que les mêmes choses s'opèrent dans leur vie à distance. Alors tous ceux-là qui sont des malades mentaux dans leur cellule, papa, Père, va les guérir. Va les guérir. Que ta main se repose sur eux. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer Jésus plus fort que ça. Amen. Amen. Remercions Dieu cette nuit. Dieu celui qui opère des miracles, des merveilles. Et il en continuera pour toujours. Par la grâce divine. Oh, alléluia. Amen. Leke. Et comment est-ce qu'évolue le programme de prière dans le camp ici les jours ordinaires? Les matinées de 10h à midi, nous prions dans le camp. Pour tout fardeau, toute difficulté confondue. C'est de la même manière que nous prions de 17h à 18h le soir. Et c'est un programme de prière. Dieu passe au travers d'elle afin d'opérer de merveilles choses. Pour les malades alités et ceux qui sont dans la cellule des malades mentaux. Oh, alléluia. Amen. Alors, nous avons deux groupes d'intersection ici dans le camp. Chaque matinée, un premier groupe fera le tour des malades au niveau de leur enclos afin de prier pour eux et venir aussi dans le temple prier pour les malades alités et d'autres. Pour les malades alités et d'autres.
Oh, amen. Amen. Et c'est comme ça nous fonctionnons dans le camp de prière tous les jours que Dieu fait. Aucun jour ne rate. À moins que le jour vient les moments des séances de prière. Que les ouvriers ne sont plus vacants afin de livrer facilement à ses occupations quant à la prière pour les malades. Parce que Alors, quand nous prions dans le temple ici, lors des séances de prière, nous avons installé des haut-parleurs dans la clôture des malades mentaux et ils reçoivent directement les prières que nous faisons depuis le temple ici. Quand moi-même je viens diriger des prières ici, les vendredis matin comme soir, les prières de 17h à 18h des jours ordinaires, ils suivent également ces prières depuis leur clôture. Et des fois aussi Dieu leur fait grâce et moi-même je descends directement dans leur clôture et je prie pour eux. Et Dieu passe par nos prières afin d'opérer des merveilles et des prodiges dans leur vie. Oh, amen. Amen. Ta maglebena ay mi gane pe amea. Je vais dire que à l'entame de cette année, amen. Blane vonton yo chobanami. Et on nous a amené 43 malades mentaux. Aye chobakpe ame yo lesa. En plus ceux qu'on avait déjà dans le camp. Oh, amen. Amen. Alors parmi les 43 malades mentaux reçus, alors 17 ans sont ceux-là qui sont déjà guéris et qui sont libérés mais sont sous observation dans le temple actuellement. Et écoutez-moi bien. Alors, ce dont leur guérison a été absolue et parfaite et sont totalement libérés sont au nombre de 41 personnes. Ce sont ces gens-là dont la guérison a été absolue. Nous n'utilisons pas des produits pharmaceutiques ni des décoctions tisanes. Alors ceux qui sont avec leurs malades dans le camp sont des témoins oculaires de ce que nous lisons, que tous les jours que Dieu fait, chaque matin, des équipes passent selon leur tour afin d'intercéder en faveur des malades. Et je rappelle encore, maintenant même, et nous avons à notre disposition 161 malades mentaux dans leur clôture. Écoutez, il y en a qui sont impatients. Alors s'il était question de nous qui allait guérir les malades mentaux, on l'aurait fait d'un seul coup pour qu'ils rentrent rapidement. S'il faut témoigner maintenant même auprès des médecins, il n'y a aucun hôpital qui puisse guérir dans cet intervalle de temps 41 malades mentaux pour que ce résultat nous soit présenté maintenant même. Mais Jésus a opéré ses merveilles sans payer du prix d'argent. Ovationnez Jésus-Christ. C'est ne pas moi qui guéris les malades. C'est Jésus qui guérit les malades. Amen.
Dites Amen. Oh, alléluia. Amen. Dans le titan, si le titan là. Alors, trimestriellement. Alors, nous faisons un peu un bilan des œuvres que Dieu a faites. Alors, les surveillants des malades mentaux, ce sont eux qui sont venus me rendre ce compte avant-hier. Et c'est une grande joie pour moi. Alors, je ne suis plus beaucoup les gardes malades. Il est de notre souhait que quand quelqu'un intègre le camp aujourd'hui, étant malade, que la personne reparte d'un seul coup. Mais nous ne sommes pas ceux qui guérissent les malades. Mais moi, je crois en Dieu. Amen. Que quelle que soit la durée que ton malade passera dans le camp de prière ici, quand il sera guéri, le projet de Dieu à l'égard de sa vie s'accomplira certainement. Un homme a témoigné ici. Il est comptable dans un grand hôpital de Lomé. Amen. Alors, dites Amen. Ce comptable dont nous parlons, sa fille était tombée malade et la maladie était la dépression mentale. On l'avait amenée dans le camp de prière ici et la fille avait un frère aîné qui était étudiant et puisqu'il n'y avait personne qui pourrait venir rester auprès d'elle, le frère s'est porté volontaire afin de venir rester auprès de sa sœur dans le camp de prière ici et il a même abandonné, il a sur soi à ses études et il est venu rester auprès de sa petite sœur dans le camp de prière ici. Il y a un jour, j'étais en train de rendre ministère ici et quand je parlais que le Seigneur ouvrira des grandes portes devant certains quand il a reçu la délivrance. Et les gens étaient en train de jouer et à la loterie Visa. Lui aussi, il a essayé et par la grâce de Dieu, il a gagné à la loterie Visa. Lorsque sa sœur a été guérie de la dépression mentale, le jour où il venait témoigner dans le camp de prière ici, le Seigneur lui a ouvert la porte et son vol a été pris. Et il a voyagé sur l'Occident. Si toi tu perds ton temps chez un malade dans le camp de prière ici, si Dieu ne te le récompense pas toi-même, il récompensera tes progénitures. C'est de la même façon. Nous ne prenons pas de l'argent avant de prier pour qui que ce soit dans le camp. Alors, nous ne prenons aucun franc avant de prier pour qui que ce soit. Mais si vous amenez un malade mental qui est violent, on doit le maîtriser. Et avant de le maîtriser, on a besoin de certains outils de travail. Et il faut payer 10 000 francs
pour l'achat de ces outils de travail afin de pouvoir maîtriser votre malade dans sa cellule où il sera jusqu'au jour où le Seigneur le délivrera de sa maladie mentale. Alors si je m'exprime comme ceci, amen. Alors, si tu entends les témoignages que rendent les gens, toi-même tu as vu ceux qui ont rendu des témoignages. Ce n'est pas un mensonge qu'on a fabriqué et qu'on est en train de rencontrer, bien raconter aux gens. Si tu les vois physiquement, le Dieu qui les a guéris guérira aussi toi, ton malade qui est actuellement dans la cellule. Et si tu m'entends de quelque part, tu peux déclarer fortement amen. Dans ce camp, tout malade, cancer, il y a toutes sortes de maladies, le cancer, les hépatites, sida, le sida. Quel genre de maladie souffres-tu? Et il n'y a aucun médecin capable de te guérir sur cette terre. Mais toi, si docteur, je viens de toucher et de citer un docteur. Lui, il est le docteur des docteurs. Docteur Jésus Christ. Le docteur Jésus-Christ. Le docteur Jésus, il guérit toutes sortes de maladies. Nous ne faisons rien aux gens dans ce camp de prière. Que ta foi te dise intérieurement, pendant que tes pierres sont dans ce camp de prière, tu auras certainement la guérison. Même jusqu'à l'extrémité de la terre. America. Aux États-Unis, continent Mato et Aokata, et les cinq continents qui existent dans le monde. Quand je finis de rendre ministère, et je demande par interroger, les gens appellent et témoignent qu'ils ont reçu la délivrance depuis les pays occidentaux et les pays de l'Afrique. Il y en a qui sont alités dans leur chambre et après nos prières, ils se lèvent et se mettent à marcher. Et il y en a, les cancers disparaissent de leur sein. Et plusieurs qui souffrent de différentes catégories de maladies, Jésus les guérit gratuitement. Et toi, tes pierres sont dans le camp de prière à la base. Toi, tu as vaincu. Oh, mais tu as vaincu. Ton histoire est d'ores et déjà transformée. Tu ne seras jamais au même niveau que les enfants de ton père. Amen. S'il t'avait dépassé auparavant, puisque tu es venu dans le camp de prière, voici l'heure que tu les dépasses. Mes déclarations ne sont pas vaines. J'ai dit, les gens comme Esaïe avaient prophétisé. Les gens comme Jérémie avaient prophétisé. Les gens comme Amos avaient prophétisé. Ézéchiel avait prophétisé. Voici notre époque. Ceux-là qui t'ont dépassé maintenant, toi aussi, tu vas les dépasser. Amen. Je dis toi, toi tu vas les dépasser également. Amen. Amen. Si c'est toi qui étais le mendiant auprès des gens, voici l'heure qui a sonné pour que les gens viennent mendier dans ta maison. Alors ce que tu n'as jamais songé de venir, c'est ce que Dieu te fera. Ainsi soit-il dans votre vie. Amen. Amen. Qui est-ce qui est béni cette nuit? Qui est-ce qui est béni? Tu fais partie des personnes bénies. Tu fais partie des vainqueurs. Bodji duduada padak padaye sueda siete
Miadu Jigodo. Mebe bon Jidudwada. Jidudwada. Yesueda. Siete. Miadu Jilo. Miadu Jigodo. Nous allons maintenant recevoir les témoignages. Après avoir prié cette nuit, Dieu a encore guéri. Et comment vas-tu savoir que tu es guéri de ta maladie? Que tous ceux qui étaient malades s'examinent voir. Afin de voir. Et afin de voir si tu es guéri de ta cécité ou ta surdité. Tu n'arrivais pas à te baisser, essaie de te baisser et de te redresser. Tous les mouvements que tu n'arrivais plus à faire auparavant, commence par les essayer tout de suite même. Il y avait une tumeur dans tes seins, essaie de palper. Tes seins pour voir, les tumeurs ont disparu. Tu souffrais des fibromes. Kyste des ovaires. Quand tu touches la partie, tu ressens la présence des kystes ou des fibromes dans ton ventre. Examine-toi maintenant. Tu ne vas plus sentir les mêmes maladies. Amen. Amen. Alors, tous ceux-là qui sont malades, examine ton corps. Et si Dieu t'a guéri, lève ta main, nous allons voir. Je rappelle à tous ceux que j'ai promis que je vais prier pour eux lors du ministère. Je ne vous ai pas oublié, votre promesse va tenir s'il plaît à Dieu demain. Si vous êtes quelque part et Jésus vous a guéri, n'ayez pas honte, levez votre main, nous allons voir.
Et tout ce que Jésus a guéri, tu t'es examiné et tu t'es rendu compte que le Seigneur t'a guéri. N'aie pas honte, lève-toi et viens devant chez nous ici. S'il te plaît, lève-toi et viens ici. N'importe que tu sois à l'intérieur du temple, sous la bâche quelque part, cherche un passage et viens dans le temple. Amen. 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 Fofo, nke ma wo na uzai amen. Amen. Ndeku Yesu yodom. Dolele kele nti o king bova. Adome. Adome duwa mea. E toji wa ila no reti nene, alope nene ya. Deku ne ma de gomene me la kwa. Eh. Hello. E mwe ya. E ye adome atonji nam. Eh. Otro me pato chi mi ya po mea. Ne me ba dogolo homi. E ye meke o ya po mea. On batin tu. Domia e ho now. Okay. Na wo mkakabe ele afike na nkom di gbojo chi homi. Nale na jinam akota kle lame. Kele e ma me a ba ku drembe o pada ka nye vedi. O po be o pada ka now. You so ready. Okay. Isiale e ma me e me fon. You fon la lome. E me fon. Ke me fon pa gba gbo na mbe. Ma jadu kunye do ne ne la sinya ma gbe la be mdaku. Leke etonye adome dui bekuwa ne nchara wo mkwa adome dua maye uto e utonye yeke baba to tajio donc ne nchamda akuema king boy ovava kemito gbeda zanya me aleko kakanya be kpodo yo leke no me yema de kumeno awo awo me de kuku keye mau yodo ware de kpo lagbon leke mau yodo zanya me aye kpo lagbon nami ma sepere be mate ale va konye le tremi banam le pic be eh be jo ko do tanye a de kuku e dure me be le pika ye yodo wa lo fifi kemi dogbera fifi ja wanya kogbona ma awola kemi dogbera fifi ade ye le vevere la sia eh anyo ke ale a kemi dogbera za ya me ade le ke o khodo yodo aye po ja gbon la okay e do agbale a kemi dogbera le ke o kakanya be podo yo fifi je ke o dogbera eh Alia et noir gom sofoua, ne pepepe fifi atomia, ton boubou ne quoi. Lekka ton duk bretanyem le daya, fifi tien ko duk bela quoi. Me problem bato, aya de ne quoi. Le daya atomia, et notia cavasin fifi. Do daya vo cacao vo quoi. Atomia fa, leke be wana on balewo. Amen. Yek bo jak bonori. Sia. Le frère, nous pouvons acclamer fortement Jésus. Nous allons faire la pointe à Jésus là. Ne touche pas la pomme des mains, mais pas les mains pour le Seigneur. Et le frère remercie le Seigneur cette nuit parce qu'il l'a guéri. Il dit il y a quasiment un mois qu'il souffrait des maux de ventre. Et une soirée, il est revenu de l'église quand le mal s'est déclenché. Et il dit que c'est cette maladie même qui a tué son papa. Et lui aussi, il a contracté le même mal. Et il est venu dans le camp de prière ici. Et la chose tire son cœur. Sa colonne était prale et il souffrait des douleurs dans tout le corps. Mais au cours de la prière cette nuit, il a constaté qu'il a commencé par salir l'air. Et à un moment donné, les maux de ventre qu'il traînait ont totalement cessé et il se sent à l'aise. Et dit avant même de venir dans le camp de prière ici, il a vu qu'on lui a fabriqué un cercueil dans le rêve et le cercueil a été enterré. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a délivré de cette mort et l'a guéri. Amen. Et le frère dit qu'il est pasteur. Alors qu'il est fondateur de son propre église, qu'il priait pour quelqu'un qui souffrait et dans la révélation il a vu que le serpent est sorti de la personne et est entré dans sa bouche.
Après avoir vu le serpent qui est entré dans sa bouche dans la révélation, lorsqu'il est reparti à la maison, il a commencé par souffrir des maux de ventre. Et après cela, le mal s'est déclenché jusqu'ici. Et c'est en cela qu'il voyait qu'il s'est couché dans le temple et l'homme de Dieu était venu l'offrir du lait pic qu'il a bu afin que le mal soit guéri. Ok, elle est toi a fait des points noirs. Alors après, mais il peut aller. Amen. Et le pasteur disait que lorsqu'il était rentré à la maison, souffrant de sa maladie, il a vu l'homme de Dieu dans le songe qu'il lui a donné du lait pic de bois et lui disait de venir dans le camp de prière ici et le Seigneur va le guérir. Et par la grâce de Dieu, et lorsqu'il est venu, le Seigneur a tenu à sa promesse. Je remercie Dieu, celui-là qui vous a fait venir dans le camp ici. Dieu, celui qui est fidèle. Il aime tout le monde. Alors, ça, c'est une attaque que le pasteur a reçue. Malgré cela, Jésus a vaincu pour lui. Amen. Et nous? Nemiko, mia fofoa, mia trochonyo noa me vekoa, mia ayeji mia wenu matoji, agbonami yokata, kakana maunya. Ple, yina peume, yina kopeume, akple mauva me yokata be, adula doi, achinam don, neme gani toya diuha la peume goha, aduna berade do kyota, be, mauva menu veve. Ay nona meji be ne eva le gbedura la mereta gbogbo ama ba to la me la do ma ba me nto me. Oh, amen. Amen. E la be bible bena wona nsemi e ke to la pe nse o kataji. Amen. Bible ye gble tana eto na apostle be na ne kemeli awo von mi o tana de me ba ba to ya ji fi la yo yo nye ma ba me de yo ke bona be nu ke ya be wole pove ma Bogboma, elle a nommé Kakalaku. Voman ouve nous vata, a messia, mais menye bene mele Bogbombena, et toi digo domi avant. Vorame au Gavaha, Avaji maupen kumea, apiano dona maua, elle veut vedento. Oh, mi biji domi, d'être fâché contre moi. Leke magbonya gama, yemi magbla, amen, c'est sérieux. Amen. Je vais saisir de l'opportunité afin d'exhorter tous les évangélistes ambulants dans les marchés, dans les quartiers, dans les villages et dans les villes un peu partout, et les serviteurs de Dieu de consacrer des moments de retraite, de prière et de venir chercher la face de Dieu. Je ne demande pas que vous veniez forcément dans le camp de prière ici, mais cherchez un lieu de prière et allez chercher la face de Dieu là-bas afin de demander la grâce divine et l'onction qui doit se reposer sur vous. Pour que si vous priez pour des gens, que vous ne receviez pas des attaques. Parce qu'il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu prie pour quelqu'un afin de recevoir des attaques. Mais en faisant des prières et des jeûnes, le Seigneur va vous joindre et va vous armer spirituellement afin que ces attaques-là soient évitées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je voulais dire, Papa va te faire un peu de temps.
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et le frère disait qu'il souffrait des douleurs de bras droit. Alors, il dit, lorsqu'il souffrait de cette douleur dans son bras droit, il n'a pas partagé cela avec son épouse. C'est un mal qu'il a banalisé. Et il a dit que peut-être cela est lié à ses mouvements de voyage sur moto et voiture. Oh, amen. 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 Oh, praise the Lord. Alléluia. Et il est venu ce soir à bord de sa voiture. Mais les douleurs du bras s'amplifiaient. Et quand nous avions terminé la prière cette nuit, il a senti une fraîcheur dans le bras droit. Et c'est là qu'il a commencé par faire des mouvements avec le bras droit. Les douleurs ne sont plus revenues. Jésus l'a guéri. Quelqu'un peut acclamer fortement Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, grand-maman. Ok, Jésus est là. Amen. Dasi wale mikro no. Dasi wale no. Sia. Ok, Jésus est là. Funfola. Oh, Docandena. A doctor be one now, grandmama. We be what Donna is under. Uncovi, Kudoto, Uncovi, one balconoya. Umbacona no, Umbacona no lekio. A tuade, a toya, a Umbacena noya. Eh? Bacena no. Umbacena no, you know. If you are came to bed, I toa one. Toi, me via, wa, de ka. Oh, me via. Okay. Yes, your donawa. Amen. Alleluia. Amen. Mama bena, ye betua me via wong, balese nu nyere. Mama, e je gomena la no retine na lopine neya. On pose sende la. E retia maton. O y kondia. O y kondia, on ratike na. On ratike na voa, o lese voa, on lese no. Okay. E be retia ton e ya. Ye beto ame via on balesenu ye ben kuvi chang baleponu nyereu ye kondi on la tikena ye zevoa kuvi om leponu eto cha balesenu. La maman dit il y a environ 5 mois qu'elle ne pouvait plus entendre correctement de ses deux oreilles et ses deux yeux aussi ne voyaient plus clairement. Elle a été à l'hôpital, des médicaments lui ont été prescrits, elle les a achetés. Malgré qu'elle ait bu ces médicaments, elle n'était toujours pas guérie de ses maux. Oh, alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, cette nuit même dans la prière, Jésus lui a guéri des maux Dieu. Elle peut voir clairement. Les deux oreilles sont ouvertes pour elle. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus pour cette guérison? Acclame Jésus. Oh, amen. Amen. Et c'est la merveille que Dieu a opéré dans la vie de la grand-maman cette nuit. Amen. Amen. Ne si si abado et pe gbugbu yo po a nkuvia o ple to a ojona enu china kona agbado a agbado ba ti o tona nyenye de karika vo Yesu ga gbo agbe mama e la be don gbebe ya agbagbe amechichi o agbado awuyeye no sigbe e ho to nene tankuvie ye to ye ga gbona grand-mama.
Acclamez Jésus pour la vie de la grand-maman. Amen. 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 Mi de kuku, mama, nke Yesu wana o. Dolele keo. Do fiblom, alenti wa jijia. Ah, muni nupo popo sa sene benya mi kura wole do kuki wa meto akeken. Kwa mato hakim boku mi teni. Epe atone nea. Epe amatone nea. Ye. Il va être au revoir. Yo ko via osu gbele na ile hunu kono. Praise the Lord. Ye ti mi ba gbe dura wa ye mo o le sa lo do. Ti mi mo le da lo do to le lo jo. Sa lo do to le lo jo do ko to lo me o sinu. O e no sin no. Me ti le no lo ko via wo o sin le no lo. A sinu. Ti mi do gbe ra keke de gbe re. Do gbe ra ka de gbe o. E gbogbo. Enu ogbu. Ehn. Enu ogbu le ko du o me. Ko du o gbogbo. Amen. Alléluia. Amen. Maman Bena et Pierre Matoya. La maman dit il y a 5 ans. Yeah. Dans les deux babanaï. Qu'elle souffrait d'une maladie. Ben, elle doit y aller Bena. On devait les enlever pour dominer. Qu'elle a senti qu'il y a des objets vivants dans son ventre. Yeah, il va y conduire. Yeah, on va y échographier à Yoko Bena. Fibrom et le fima, yé, au badi vio, quand le fima yopé viawa, on a un fima le nouveau le lamenaï. Et lorsqu'elle a été à l'hôpital pour des bilans de santé, les médecins lui ont dit qu'elle souffrait des fibromes. Et ces fibromes-là sont en grande forme. Et il y en a aussi des petits qui se sont ajoutés à la grande. Gâtez-toi, ma ou pas, mais nous vevez mère. Mais par la grâce de Dieu, et lorsqu'elle est venue dans la prière cette nuit, la chose était solide dans son ventre. Et après la prière, elle a appuyé la partie, elle n'a plus ressenti sa maladie. Alors ce qui était dans son utérus, le gros fibrome et les petits qui sont dans son utérus et qui boivent le sang de son corps, ces fibromes ont disparu tous de son utérus cette nuit. Que vos ovations soient grandes au Seigneur Jésus. Jia de le nye jijom, nye jijom, nasyon.